بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ إن شاء الله درس هذا اليوم. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un nouveau cours. Nous allons voir un nouveau type de texte, le type injonctif. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est bien. Bien, alors, puisque vous m'entendez, donc je vais commencer un autre de texte aujourd'hui. C'est le type injonctif, ou on l'appelle aussi le type prescriptif. L'injonction ou bien la prescription signifie un type qui permet de donner des conseils ou bien des ordres ou des recommandations. Alors, pour faire agir, c'est-à-dire que le principal objectif de l'auteur d'un texte injonctif est de faire agir, c'est-à-dire de pousser le lecteur ou bien l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui on parle, la pousser à agir, c'est-à-dire la pousser à faire quelque chose. Donc, c'est le texte injonctif. Les exemples de textes injonctifs, ce sont les modes d'emploi, les recettes, les publicités, les propagandes. Alors, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, donc vous me demandez, je vous explique en arabe. Alors, si tout est bien compris en français, je continue. Si vous n'avez pris quelque chose, donc vous me demandez. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Bon, alors, oui, alors, les formes d'un texte injonctif sont, donc le langage est dominé par la fonction imprécis, c'est-à-dire le mode impératif, l'injonction, le conseil, les prières, etc. Donc, on utilise la fonction imprécis, c'est-à-dire le rôle du texte, c'est quoi? C'est de pousser une personne à faire quelque chose, soit en lui donnant un conseil, soit en lui donnant une recommandation, ou bien un ordre, ou bien en le priant de faire quelque chose. Alors, le registre utilisé, c'est ce qu'on appelle le registre utilisé, c'est ce qu'on appelle le registre injonctif. Il se caractérise par de mobilisation du récepteur, c'est-à-dire que celui qui reçoit le message doit être prêt à faire ce qu'on lui demande de faire en utilisant l'impératif, le mode impératif, en lui donnant verbe conjugué à l'impératif, ou bien en utilisant l'infinitif, en utilisant aussi l'apostrophe, et l'apostrophe signifie l'appel, on s'adresse à lui directement, ou bien on utilise ce qu'on appelle l'interrogation oratoire. L'interrogation oratoire qui suggère les réponses, c'est-à-dire on lui pose une question, mais ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, parce qu'il connaît la réponse à cette question, alors on l'amène à ce qu'il répond parce que nous voulons. Par exemple, quand je dis à quelqu'un « n'est-ce pas ?»,
J'attends qu'il me dise oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est ce qu'on appelle une interrogation oratoire. Il y a aussi donc la position du lecteur, c'est la douceté ou l'esprit critique. C'est-à-dire le lecteur qui lit un texte gentil, soit il est docile, ça veut dire qu'il accepte ce qu'on lui dit, ou bien au contraire, il réagit en refusant ce qu'on lui propose. Alors maintenant, les caractéristiques, comment l'identifier? C'est-à-dire comment reconnaître un texte injonctif. Alors, définition, le texte, c'est le texte qui propose une action ou donne des instructions à un destinataire. C'est-à-dire un texte injonctif, c'est quoi? C'est un texte qui propose une action, c'est-à-dire qui demande au lecteur de faire quelque chose, ou bien qui donne des instructions à un destinataire. Et le destinataire ici, c'est le lecteur. Les caractéristiques grammaticales, c'est-à-dire en grammaire, qu'est-ce qu'on utilise comme moyens grammaticaux dans un texte injonctif? Donc, nous trouvons bien sûr la fréquence de la deuxième personne, que ce soit de la deuxième personne du singulier ou du pluriel, c'est-à-dire le tu et le vous. Adresse à quelqu'un, je lui dis tu directement, bien je lui dis vous, selon bien sûr le degré de respect et le degré de connaissance que j'ai avec cette personne, et aussi en utilisant la première personne du pluriel, hein, dans laquelle on s'implique aussi avec le lecteur. Quand je dis nous devons faire ça, ça veut dire ce n'est pas moi seulement, mais vous aussi vous faites ça et moi je suis avec vous. Voilà, donc ça en ce qui concerne le premier moyen qui caractérise, donc le premier moyen grammatical qui caractérise le texte injonctif. On emploie aussi l'impératif. L'impératif, donc c'est le mot de l'ordre, comme on sait. C'est ce mot, il emploie trois personnes seulement, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, personne du pluriel, c'est-à-dire le tu, le nous et le vous. Donc, dans l'impératif, il n'y a pas d'autre personne que ces trois personnes. Je dis à quelqu'un de faire quelque chose, soit je lui dis fais cela avec l'impératif, ou bien faisons cela en s'impliquant avec lui, c'est-à-dire que celui qui parle s'implique dans l'autre, ou bien faites cela en s'adressant à vous, c'est-à-dire à la deuxième personne du pluriel. On peut utiliser le futur aussi. Alors, quelle est la différence entre le futur et l'impératif dans un texte injonctif? C'est l'atténuation de l'ordre que j'adresse à une personne. C'est-à-dire quand je dis par exemple à quelqu'un de me faire quelque chose, si je lui dis par exemple apporte-moi ce dossier demain, ça c'est un ordre direct. C'est un ordre direct, parfois il est un peu choquant. Mais si je m'adresse à une personne et je voudrais que l'ordre soit atténué, c'est-à-dire qu'il soit moins fort, je lui dis, vous m'apporterez ce dossier demain. Vous m'apporterez avec le futur ce dossier demain. Alors, j'utilise aussi l'infinitif, donc le futur de l'indicatif, bien sûr. Et parfois, j'utilise l'infinitif. L'infinitif, on le retrouve surtout dans les notices, dans les recettes, lorsque je ne m'adresse pas à un interlocuteur précis, hein, je ne m'adresse pas à un interlocuteur précis, alors je m'adresse à tout le monde. Dans ce cas, j'utilise l'infinitif, puisque je ne désigne pas une personne en particulier. Je désigne tout le monde. Bien. Alors, je peux utiliser aussi les expressions d'obligation. Les expressions d'obligation comme il faut que, ou bien le verbe devoir. Le verbe devoir. Donc, je dis à quelqu'un, il faut que tu fasses cela. Hein, il faut que tu fasses
cela. Puis aussi, je peux utiliser le verbe devoir. Tu dois, hein, tu dois faire ce travail, tu dois apporter ce travail, etc. Donc voilà, soit le verbe falloir, soit le verbe devoir, soit l'impératif, soit le futur, soit l'infinitif aussi. J'utilise aussi des phrases courtes. J'utilise l'énumération quand je veux classer un ensemble d'éléments l'un à l'autre. Donc, ça, ce sont donc les caractéristiques grammaticales. Je passe aux caractéristiques lexicales. Lexicales, ça veut dire les expressions que j'utilise, les mots que j'utilise dans un texte injonctif sont. Nous trouvons donc la fréquence des verbes d'action et de mouvement. C'est-à-dire, les verbes que j'utilise, ce sont des verbes d'action, c'est-à-dire qui expriment une action précise ou bien qui expriment un mouvement précis. J'utilise aussi les champs lexicaux en rapport avec le domaine d'action envisagé, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'action que je voudrais réaliser. Ah, s'il s'agit par exemple d'une publicité, donc je donne un ensemble de consignes en relation avec cette publicité et j'utilise le lexique relatif à cela. Je peux utiliser des adjectifs, des adverbes, incitatifs, c'est-à-dire qui poussent quelqu'un à faire quelque chose. Nous avons aussi recours à l'image ou au dessin, surtout dans la publicité. Et maintenant, quel est le rôle, hein, quel est le rôle d'un texte adjonctif? Alors, le rôle principal, donc, c'est soit donner un ordre, soit commandement, c'est-à-dire commander à quelqu'un, et cela dans le cas où nous avons un pouvoir destinataire, c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui, et nous sommes supérieurs, c'est-à-dire là, ce que nous lui disons, puisqu'il est un sujet, c'est-à-dire inférieur à notre disposition. Et ça peut être aussi un conseil, hein? La question de Tarek, est-ce qu'on peut considérer la pertinence comme texte injonctif? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par pertinence, Tarek? Explique mieux la pertinence. Ah, quand Arida, Arida, c'est-à-dire quoi? Arida Maksoud Bihamad, Arida. احتجاجية مثلا un texte injonctif عريضة quand je veux inciter quelqu'un à faire quelque chose. إذا كانت العريضة تحتوي على مثلا إعطاء بعض التعاليم أو التعليمات إلى أشخاص، نعم. لكن إذا كانت فقط تحتاج على وضع فهي ليست انجونكتيف، لكن فقط عبارة عن احتجاج ليست. Bon, alors je continue. On donne des conseils, donc c'est-à-dire j'ai des compétences, hein, j'ai des compétences et je voudrais faire profiter de ses compétences. Et je voudrais que les autres fassent, par exemple, comme moi, ou bien profiter de mon expérience. Alors, je donne des conseils qui portent sur un objet à faire, des prédictions, par exemple, sur un état futur du monde, etc. Par exemple, dans le cas des lois, des règlements, qui sont des textes injonctifs, nous avons des textes trans mettant des consignes comme les modes d'emploi. Lorsque vous achetez, par exemple, une machine, alors, avant de la faire fonctionner, hein, vous devez lire le mode d'emploi. Sinon, si vous ne suivez pas
les recommandations qui vous sont données dans ce mode d'emploi, vous risquez d'endommager la machine que vous avez achetée. Ou bien dans des notices de montage. Par exemple, si je veux monter une machine ou bien un meuble ou n'importe quelle autre chose, donc là, je dois suivre des consignes précises pour pouvoir réussir ma tâche. Soit dans une recette, par exemple. La recette de cuisine est aussi un texte injonctif. Pourquoi? Parce que je dois suivre certaines recommandations, certaines consignes pour réussir mon plat. Il y a aussi le texte d'engagement moral, c'est-à-dire je voudrais que donner des recommandations, soit morales, soit politiques, soit sociales, soit un serment religieux, hein, ce sont des recommandations ou bien parfois des ordres, parce que dans un serment religieux, nous recevons des ordres de Dieu pour suivre, ou bien dans un texte qui me présente la morale aussi, je dois suivre cela. Donc nous avons aussi les prédictions météorologiques, par exemple, ou bien l'horoscope, le slogan publicitaire pour la publicité aussi. Là, le texte injonctif. Alors, après cette explication, est-ce que tout est clair? Est-ce que j'ai fait clair dans l'explication? Est-ce que vous voulez que j'explique quelque chose d'autre? Si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. Oui. Oui, j'ai compris, Tarek. C'est la pétition, oui. C'est la pétition, je sais. Donc, une pétition, ce n'est pas une pétition, je sais. Une pétition, il y a arrivé. Oui. Allez, comme salam à. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je réponds après. Alors, Faz me dit, je n'ai pas bien compris. Tarek voudrait qu'on passe. Alors, c'est vrai, Tarek, vous avez peut-être compris, mais il y en a qui n'ont pas compris. Alors, je vais essayer d'expliquer. Est-ce que vous voulez des explications en arabe? Oui, Aïcha aussi. Sera mieux. Et moi aussi, madame. D'accord. Alors, je vais expliquer en arabe. C'est pas grave, ça va. Alors, le texte injonctif ou le type injonctif. Ou prescriptif, injonctif. Je connais pas le mot en arabe. Yani, l'amri. L'amri. Alladhi ya'ti l'amr. Ou ya'ti. Bonsoir, je vais bien, merci. D'accord? Alors, nous sommes le texte injonctif. Alors, des exemples de textes injonctifs, j'ai le mot d'emploi, les recettes, yani wasafat, كذلك les publicités, yani l'ishhar, les propagandes, كذلك ينوع من la publicité, شكل النص يكون يعني النص يحتوي على لغة يسيطر فيها الجانب المري ونجد مثلا دي كونساي يعني نصائح او ارشادات او طلب شيء ولا الزجري وي زجري اذا كان امر
يمكن أن يكون زجر، يمكن أن يكون فقط نصيحة أو تعليمات، يعني مش بالدرجة الأولى يكون، أو نهي كذلك، وليس بالدرجة الأولى أمر، يعني زجر. ماذا نستعمل؟ نستعمل لو مود أمتيف، يعني نستعمل الصيغة الأمرية في الأفعال. لو ريجستر، يعني النبرة الأمرية أو الجذرية كما نقول، يعني تتميز بأننا ماذا نريد؟ نريد أن يتم التفاعل مع المتلقي، يعني لا بيرسون، يعني الشخص الذي يتلقى النص يجب أن يتفاعل معه، يتفاعل معه. فماذا أستعمل؟ أستعمل الصيغة الأمرية لأني أتوجه إليه مباشرة في الخطاب. أستعمل كذلك المصدر، مصدر الأفعال الانفينيتيف. لماذا المصدر؟ وي عبد المنعم، عبد العظيم فيصل، سي بور دوموندي كلكو شوز، وي لكي أطلب شيء طبيعة الحال. ويمكن أن أستعمل لابوستي، أخاطب الشخص بنداء عليه مباشرة، أو أستعمل ما نسميه بالمجازي الذي هو في نفسه يكون يحتوي على الجواب، أو أن ليس لأني لا أعرف الجواب أو المتلقي لا يعرف الجواب، ولكن أنه يتلقى السؤال أصلا لأن الجواب معروف. كذلك nous avons la position du lecteur، يعني أن المتلقي يتلقى إما باستسلام، أنه يكون مستسلم لهذا الخطاب ويقوم بما نطلبه منه، أو العكس يكون يعني أنه يتلقى الخطاب ولكن دون استسلام، يعني أنه ينتقد، يكون ان اسبري كريتيك. Alors maintenant les caractéristiques, يعني مميزات. مميزات اولا، voilà donc une invitation à la grève aussi, c'est une c'est un texte injonctif. Oui, c'est vrai. L'invitation à la grève est un texte injonctif. Donc pourquoi? Parce que nous voulons que celui ou à ceux à qui on s'adresse, on voudrait qu'il participe avec nous dans cette grève. Alors, maintenant les caractéristiques. Les caractéristiques, le texte propose une action ou donne des instructions à un destinataire. بمعنى أنه هل الكل عنده مشكل في الصوت؟ Est-ce qu'il y a un problème de voix pour tout le monde؟ نو دونك اللي عنده مشكل في الصوت يحاول يعمل اكتواليزاسيون، يحاول يشوف المشكل عنده. بون alors je continue. قلنا ان المتلقي، اذا يكون هناك شخص يتلقى مباشره هذا الحديث، اما باستعمال تو او لا فو بطبيعه الحال. لهذا اذا لي كاركتيرستيك غراماتيكال، يعني في المميزات النحويه نجد لا فريكونس دو لا دوزيام بيرسون اي لا دوزيام بيرسون دو سينغولي او دو بلوريال، يعني ان اجد تو او اجد فو لانني اتوجه مباشره للمتلقي، أو أجد la première personne du pluriel. Alors, لماذا la première personne du pluriel؟ Parce que dans la première personne du pluriel, nous avons moi et vous. يعني يكون la personne qui parle s'implique aussi dans le texte. يعني أن الشخص الذي يعطي
الأمر أو يعطي النصيحة أو التعليمات يكون هو أيضا معني بهذه النصيحة أو هذه التعليمات. نجد دونك صيغة الأمر، نجد لو فيتور. لو فيتور لماذا؟ Alors, le futur أي المستقبل أو صيغة المستقبل. هذه الصيغة لماذا أجدها؟ لأن عندما أتوجه للشخص وأعطيه أمر مباشر، في بعض الأحيان يكون هذا الأمر يعني غير مقبول. إذا كان مثلا هناك، ليس هناك فرق ما بين الشخصين، مثلا أنا أعمل مع صديق أو مع شخص في نفس المكتب وعندنا نفس المستوى، فلا أستطيع أن أوجه له أمر مباشر وأقول له مثلا أبوخت موا سو ترافاي دوما، يعني ائتيني بهذا العمل غدا. فماذا أفعل؟ أحاول أن أضعف هذا الأمر وأجعله يعني ملطف، يعني وأستعمل صيغة المستقبل. Alors je lui dis vous m'apporterez ce travail demain، يعني ستأتيني بهذا العمل غدا إن شاء الله. Non, Abdelrahim, je te souhaite le bonheur. Ça, ce n'est pas un texte. Ça, c'est un souhait. C'est, si vous voulez, c'est une prière, mais pas vraiment un conseil ou bien une recommandation. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc, je continue. Ou bien j'utilise l'infinitif. L'infinitif, متى استعمله؟ استعمل المصدر عندما يكون لا اتوجه لشخص معين، يعني انني عندما اعطي تعليمات في طريقة استعمال مثلا آلة اشتريتها، اجد معها كتيب يعطيني طريقة استعمال او كيف استعمل هذه الآلة او كيف اجعلها تعمل. فنلاحظ أن الأفعال الموجودة في هذا الكتيب تكون آل انفينيتيف، يعني في المصدر. لماذا؟ لأنه لا يتوجه لشخص معين ولكن يتوجه لكل الناس، لكل من يستعمل هذه الآلة. إذا استعمل الانفينيتيف. Alors بعض الأحيان أو نستعمل كذلك صيغة الأمر أو بعض الأفعال دالة على الأمر والجزر، مثلا le verbe falloir، il faut que، يجب أن، أو on doit، le verbe devoir، يجب. الفعلين يدلون على نفس تقريبا نفس المعنى. نجد مثلا des phrases courtes، عادة يكونوا الجمل جمل صغيرة قصيرة، لا تكون جمل طويلة، لأن تعرف أن الأمر والنصيحة لا تتطلب جمل طويلة جدا. Alors les caractéristiques lexicales الآن، يعني المميزات المصطلحية أو الكلمات أو نوع الكلام المستعمل أو المفردات المستعملة. Alors نجد مثلا أفعال دالة على الفعل، أو الحركة، المستعملة بكثرة. نجد كذلك الحلول المصطلحاتية الخاصة ب أو des adverbes incitatifs، يعني je ne sais pas ce que c'est en arabe adverbe، يعني des adverbes qui me donnent des étapes oui, ou bien incitatifs à faire quelque chose، c'est-à-dire le يدفع إلى فعل شيء معين. Alors, نستعمل كذلك l'image اللي هي الصورة أو le dessin، يعني الرسم، وهذا أجده خاصة في la publicité. الصورة والرسم نستعمله بالخصوص في la publicité، يعني الإشهار. الآن ما هو دور النص الجذري أو النص الأمري؟ أولا إعطاء أوامر أوردر،
يعني كيكون هناك ان بوفوار سور لو ديستيناتير، يعني من يعطي الامر لا ياتي من اشخاص تربطهم يعني نفس العلاقة او نفس المستوى، الامر دائما يكون من فوق الى شخص سوبيريور، يعني في فوالا يكون هناك مدير او رئيس او قائد الى اخره. كل امر دونك ان نيفو انفيريور، دان نيفو سوبيريور فيغ ان نيفو انفيريور، وهنا طبيعه الحال يكون امر، والامر ولا بد ان يتم تنفيذه. يبقى الان لو كونسي، لو كونسي يكون اقل قوه، يعني ان النصيحه مش بالضروره ان لابد ان اكون في مستوى عالي بالنسبه للاخرين، لا، مثلا دام بيغ صديق من اب الى ابنه النصيحه المقصود فيها ماذا؟ انني مثلا امتلك تجربه، امتلك معرفه، امتلك شيء وعندي كفاءه فيه، فاريد ان الاخر يستفيد مني ويستفيد من كفاءتي، فاعطيه نصيحه لكي اساعده. كذلك la prière la prière ici c'est lorsque je prie quelqu'un de faire quelque chose، عندما أرجو شخص أن يفعل شيء، وهنا طبيعة الحال يكون مع يعني أني أدفعه أن يفعل شيء، ولكن مع نوع من الرجاء. كذلك هناك la prédiction sur un état futur du monde، يعني التوقعات، التوقعات يمكن أن تكون على مستوى اقتصادي، مثلا توقعات اقتصادية أو التوقعات الجوية إلى آخره. كذلك سون دي تكست بريسكريبتيف. Nous utilisons donc les textes transmettant des consignes، مثلا les modes d'emploi، يعني أين نجد هذا سميتو النوع من لو تكست، هما لي مود دومبلوا، يعني طريقة الاستعمال، لي نوتيس دو مونتاج، يعني كذلك مثلا آلة أو أتات أو شيء، لي روسيت دو كوزين، يعني وصفات المطبخ، كذلك يمكن أن أجدها مثلا دون لي نوتيس أو لي بروسبكتوس ميديكو، يعني الورقة التي نلقاها مع الدواء، فهي كذلك تحتوي على تعليمات يجب اتباعها. فوالا، دونك كذلك في لوغوسكوب، يعني الأبراج، وكذلك في لا بوبليسيتي، الإشهار. فوالا، اسكو سي كومبري؟ أنا أظن أن الأمور واضحة. سنمر إن شاء الله إلى دراسة النصوص. يعني نرى الناس صبورة رقم جوج. فوالا، فوالا ان اكزومبل دو تكست. الوغ فوالا، اون فاي سوديي تخوا تكست. فويون لو بروميير اكزومبل، دي كونساي بور بيان اكخيغ. Je continue. Le premier texte, donc conseil pour bien écrire. Alors voilà un ensemble de conseils pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet
et choisis des informations. Organise tes idées. Pendant que tu écris, mets tes idées en mots. Mets tes idées. Choisis des mots qui et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Relis ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure en vert les finales du pluriel et du féminin. Relis en bleu le verbe à son sujet. Et voilà, donc c'est Pelado et Pierre, le capsule 3, livre B. Bien sûr, c'est la page sur le volume, je ne sais pas. Bon, voilà. Voilà un texte injonctif. Est-ce que le texte est clair? Oui. Bien. Alors, je vais le relire une deuxième. Je vais le relire une deuxième fois. Et après, nous passerons au deuxième texte. Conseils pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet. Organise tes idées. Pendant que tu écris, mets tes idées en mots. Mets ordre. Choisis des mots précis et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Relis ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et tes phrases. Indique le début et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure en vert les finales du pluriel et du féminin. Relis en bleu le verbe à. Nous passons maintenant au deuxième et troisième. Un texte. Alors le je vais faire un espace ici entre les deux. Voilà. Alors le premier texte. Fraise à la neige. Nettoyer 700 g de fraises. En réserver 8. Mixer les autres avec 80 g de sucre, 120 g de crème fraîche fouettée en chantilly avec du sucre,
vanillé et 3 blancs d'œufs, montés en neige avec une cuillère à soupe de sucre, réfrigéré 2 heures, décoré avec les fraises réservées. Est-ce que le texte est clair? Est-ce que le deuxième texte est clair? Oui, bon. Alors, je vais le relire. Fraises à la neige. Nettoyer 700 g de fraises. En réserver 8. Mixer les autres avec 80 g de sucre. Ajoutez 125 g fraîches fouettées en chantilly avec du sucre vanillé et 3 blancs d'œufs montés en neige avec une cuillère à soupe de sucre. Réfrigérez 2 heures, décorez avec les fraises réservées. Je passe maintenant au texte 3. Il est inséré au titre 12 de la Constitution, un article 72.2 ainsi rédigé. Article 72.2. La libre administration des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales dans l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. La loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales. Alors, le deuxième texte numéro 3, c'est un texte un peu différent, mais aussi c'est un texte important. Je vais le relire une seconde fois. Oui, c'est la loi. Bien sûr, c'est un texte qui appartient à la loi. Bien, je vais le relire et nous passerons aux questions. Article 12 de la Constitution. Remarquez, la Constitution, loi ad dostur. La Constitution, via ad dostur. Un article 72.2, ainsi rédigé. Article 72.2. La liberté administrative des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette dans les limites
Attribution de ressources équivalente à celle qui était consacrée à leur service. Alors, exemple. La loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources. Donc, maintenant, nous passons aux questions sur les textes. Question de 10. Quelle est la différence entre le droit à canon, la gouvernance, il y a l'hakam. L'hakama, le canon. Vous dire, je ne peux pas vous dire, moi, parce que je ne suis pas... قانون لالوا يجب اتباعه إلى آخره ولا غوفرنانس هو الحكامة يعني الحكامة ماذا يقصدون بها جوسي لسه لا لا غوفرنانس اكسيون هي لا غوفرنانس هي لو غوفرنمان لو غوفرنمان هو هي الحكومة هي الحكامة gouvernance ou le je sais pas. Anna là, elle s'en fait le haq, il y a le droit. Hein? Le haq, il y a le droit. Ou la loi, le canon. C'est la loi. Bien. Alors, essayons de revenir à nos textes injonctifs. Hein? Donc, alors, pour le premier texte, alors, qui parle dans le premier texte? Le texte qui nous présente des conseils d'écrire. Alors, qui parle dans ce premier texte? Il parle dans le premier texte. Oui, l'auteur, il est. Quelle est sa fonction, cet auteur? Qui peut-il être? Qui est-ce qui peut donner des conseils pour écrire? Parce que tous les textes, ce sont. Enfin, tous les textes que nous avons, c'est l'auteur qui parle, bien sûr, le texte à un auteur. Non, phase. Soal arjokum. Fahamu ma ma'na soal. Qui parle dans le premier texte? Yani, men yatakallam fi nas al-awwal. Yani, vous allez me dire un auteur, katib. Fi kull an-nusus, katib. Yani, nas. مكتوب من شخص ولكن هذا الشخص الذي يتكلم بصفته ماذا يتكلم بصفته ماذا يعطينا تلك النصائح أي شخص يمكن أن يقول لي كيف يعني يعطيني نصائح عن كيف أكتب عن شيف نو من هو هذا الشيف Mais je parle du premier texte, comment écrire, conseil pour bien écrire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte, demande-toi pourquoi tu écriras. Qui est-ce qui cuisine? Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, Fès, c'est bien, c'est un professeur. Il y a même une séance qui nous a écrit, كيف تتعلم الكتابة؟ سيعطيها لك شيف مطبخ؟ طبيعة الحال سيكون أستاذ أو مدرس. Donc celui qui parle dans le
Oui, c'est un spécialiste dans le domaine, c'est ça, si français, c'est bien. Non, l'auteur, attention, l'auteur, والكاتب يمكن أن يكون أستاذ، يمكن أن يكون شيف مطبخ، يمكن أن يكون عسكري، يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو كذلك يحتوي على أوامر. فعندما أقول من يتكلم في النص القرآني، لن تقول لي الكاتب، ستقول لي الله سبحانه وتعالى. Est-ce que c'est compris? هل فهمتم الفرق ما بين الكاتب وما بين المتكلم في النص؟ Non, l'auteur en général, on dit n'importe quoi. Hein? Bon. Alors, النص الأول من يتكلم؟ Qui est-ce qui parle dans le premier texte? On a dit c'est le voir écrit encore une fois. Oui. Alors, c'est le professeur. Bien sûr. C'est le professeur qui parle dans le premier texte. Professeur Aïcha avec un seul F et deux S, comme ça a été écrit face-face. Voilà. Donc, celui qui parle, c'est le professeur dans le premier texte. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? C'est-à-dire, il parle à qui, le professeur? Voilà, à des élèves, bien sûr. Il parle à ses élèves. Donc, ce sont, oui, donc le destinataire, c'est bien sûr les élèves. Que leur demande-t-il? Que leur demande-t-il? Il leur demande de... Non, il leur demande pas comment écrire, mais il leur demande de bien écrire, bien sûr. Alors, je vous donne le texte, on va le relire. Avant d'écrire, réfléchis à ton texte. Demande-toi pourquoi tu écris. Pense à ton sujet. Et choisis des informations. Voilà, il demande d'écrire un texte. Organise tes idées. Pendant que tu écris, mets tes idées en mots. Voilà, c'est ça, Zaki. Les étapes d'écrire un texte. Oui. Pendant donc tes idées en ordre, choisis des mots précis et forme des phrases complètes. Orthographie les mots du mieux que tu peux. Efforce-toi d'accorder les noms, les adjectifs et les verbes. Après la mise en mots, relis, vérifie et corrige ton texte. Relis ton texte plusieurs fois pour le réviser. Vérifie tes idées et tes phrases. Indique le début et la fin de tes phrases en rose. Consulte un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots dont tu doutes. Entoure en vert les finales du pluriel et du féminin. Et relis en bleu le verbe à son sujet. Et bien sûr, ce sont c'est un ensemble de recommandations. Quelle est son intention? Pourquoi il donne ces recommandations? Voilà, pour expliquer la façon d'écrire et rédiger un texte. Oui. Donc, il donne ses recommandations pour. À quoi veut-il arriver?
Par exemple, moi, si je dis à mes élèves, faites cela, écrivez comme ça, qu'est-ce que je veux? Ah voilà. Donc je veux que mes élèves apprennent à rédiger un texte. Je voudrais qu'ils apprennent à bien écrire. Donc mon but, c'est que les élèves écrivent bien. Voilà. Donc c'est ça le but principal pour lequel il donne ses recommandations. Donc, quel est le moyen utilisé pour exprimer ses commandes ou ses demandes? Quel est le moyen utilisé? Moyen grammatical. Non, le moyen grammatical. Il y a aussi le nahwiya, le mustamala. Quel est ça le pour donner ses commandes ou ses demandes, il a utilisé pas un texte impératif, mais il a utilisé des verbes, hein, des verbes à l'impératif. Réfléchis, demande-toi, pense, choisis, organise, mais encore une fois, choisis, forme, orthographie, efforce-toi, relis, vérifie et corrige. Vérifie, indique, consulte, entoure, relis. Alors ça, c'est le mode impératif. L'auteur a utilisé ce qu'on appelle le mode impératif. Le mode impératif. Vous remarquez que les verbes sont, oui, tous les verbes sont conjugués. Tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Les verbes sont conjugués à l'impératif. Voilà. Revenons maintenant à nos questions. Alors maintenant, quel type d'injonction nous avons dans ce texte? Quel type d'injonction nous avons dans ce texte? Est-ce que ce sont des conseils, ce sont des recommandations ou bien des ordres? Est-ce que ce sont des conseils, des recommandations ou des ordres? Alors, il y en a qui me disent option, il y en a qui disent conseil. Il y en a, le conseil ou la recommandation. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. الفرق ما بين النصيحة والتعليمات والأمر يعني يجب أن نعرف الفرق ما بينهم الثلاثة لكي نعرف نستطيع أن نميز. ألا الفرق هو يمكن أن أقول أن دون لانجونكسيون يعني عندي ثلاث مستويات. J'ai le niveau fort et le niveau faible. On est en des moustawa al-qawi, le moustawa al-mutawassit, le moustawa al-da'if. Alors, le moustawa al-qawi, c'est l'ordre. Le moustawa
القوي والغضب. لماذا؟ لأن في الأمر ليس هناك يعني عندما يعطيني أحدهم أمر لابد وأن أقوم بذلك الأمر مهما كانت الأشياء. يعني أني لو ما أديتش الأمر أتعرض للعقوبة. مثلا أعطيكم مثال لابد من التنفيذ. نعم، مثلا عندما أتلقى أمر إلهي صلي مثلا أو صم أو يعني أي أمر من الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر ليس لي خيار، يعني أنا لا يجب أن أقوم بالنهي. عندما يأتي لا تشرب الخمر، لا تجنب الربا، يعني لا تفعل شيء، هنا لا بد من الطاعة بدون مناقشة، بدون مناقشة. وإذا لم أطع فأني أتعرض للعقوبة. هذا ما يسمى الأمر، وهو المستوى القوي في لنجونكسيون. يأتي مراه المستوى المتوسط. المستوى المتوسط هي لاكومونداسيون، التعليمات. ألوغ الآن التعليمات، ما الفرق ما بينها وبين الأمر؟ ألوغ التعليمات أني أتلقى مجموعة من التعليمات. إذا تبعت التعليمات فإني سأحصل على النتيجة المطلوبة. ماذا هناك يا فاز؟ جي با كومبري. ماذا لم تفهم؟ أنا أشرح الفرق، إنني أشرح الفرق، أنا عمال أشرح الفرق الآن. قلت أن لوردغ هو المستوى الأقوى، لأن عندما أفعلناه فأنا ملتزم باتباعه، لابد أن أطيع، أعجبني أو لم يعجبني فأنا أقوم بذلك الأمر، وإلا فإني سأتعرض للعقوبة. وهذا أعطيتكم مثال الأوامر الإلهية مثلا أو القانون. مثلا عندما يقول لي القانون أن أتوقف في الشارة الحمراء في الشارع مثلا وأنا أقف سيارتي، عندما أجد شارة حمراء يجب أن أتوقف، لا أناقش، وإلا إذا لم أتوقف سأتعرض للعقوبة. هذا أظن أمر واضح ولا بك. يبقى الآن لا ريكومونداسيون تأتي في المستوى الثاني الذي هو مستوى متوسط. الفرق ما بين الأمر ولا ريكومونداسيون هو أنني عندما أتلقى لا ريكومونداسيون اللي هي التعليم، هذه التعليمات أنا يمكن أن لا أفعلها، يمكن أن لا أتبع التعليمات، ولكن النتيجة التي سأحصل عليها نتيجة سلبية. مثلا عندي اون غوسيت دو كويزين، يعني عندي مقادير او وصفة للمطبخ. هذه الوصفة تقول لي ان اضع فيها مثلا كمية معينة من السكر، مثلا 100 غرام من السكر في هذه الوصفة. انا ساقول لا، أنا سأضع 150 أو أضع أقل من هذا، هل سأحصل على ما أريد؟ طبعا لا، فإن النتيجة ستكون سلبية، يا إما سترتفع وربما لا تعطيني المذاق المطلوب، أو أنها ستكون قليلة السكر فلا تعطيني كذلك المطلوب. إذن لا ريكومونداسيون يجب أن أحصل على النتيجة المطلوبة، وإلا النتيجة ستكون سلبية. كذلك بالنسبة مثلا لكيف أستعمل دواء، دواء
أعطاني الطبيب دواء قال لي يجب أن تشرب هذا الدواء 3 مرات في اليوم. أنا قلت لا، سأشربه مرة واحدة مثلا، هل سأحصل على النتيجة المطلوبة؟ طبعا لا، فربما لن أشفى بسرعة. أو أقول أنا سأشرب أكثر مما قال لي الدكتور، مثلا أشرب 4 مرات أو 5 مرات في اليوم، طبيعة الحال ستكون النتيجة سلبية، قد أتعرض ل يعني تأثير من وهكذا. إذا لا ريكومونداسيون تأتي في المستوى المتوسط يجب أن أتبع، وإلا النتيجة ستكون سلبية. يبقى الآن المستوى الأضعف وهو لو كونساي، يعني النصيحة. النصيحة هنا عندما يعطيني إنسان نصيحة فهو ما المقصود؟ أنه يريد الخير لي. أنا إذا فعلتها فإنه سيكون جيد يعني، وإذا لم أفعلها لن يضر في شيء، ولكن إن فعلتها ستكون أحسن. هذا هو ما في الأمر، يعني أتبعها أو لا أتبعها يبقى الأمر عندي اختيار. يمكن أن لا أتبع، هذا أمر اختيار. أظن أن الآن الفرق واضح ما بين لو كونساي لا ريكومونداسيون إلى آخره. سي كلير؟ Bon, alors c'est bien. Puisque c'est clair, nous continuons. Maintenant, qui parle dans le deuxième texte? Qui parle dans le deuxième texte? Qui parle dans le deuxième texte? Texte numéro 2. Oui, enfin, c'est la préparation de gâteau, oui, mais qui parle dans le deuxième texte? Alors là, c'est le chef, d'accord. C'est le chef de... Oui, un chef de cuisine, bien sûr. Non, ce n'est pas la constitution, Simon Seys. Nous parlons du deuxième texte et non pas du troisième texte. Oui, c'est le cuisinier, ça peut être le chef de cuisine, ça peut être tout simplement une femme, hein? Ce n'est pas seulement un chef de cuisine, c'est dans le domaine de la cuisine. Bien. Alors, je dis. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Aux filles. Seulement les filles qui préparent les gâteaux? Les cuisiniers aussi, oui. Alors, il s'adresse à toute personne, aux garçons aussi. Alors, il s'adresse à toute personne qui veut préparer un gâteau ou qui veut apprendre à faire un gâteau. Que ce soit des femmes, des hommes, des cuisiniers, donc n'importe qui, hein. Oui, à nous tous. Oui, à toute personne qui veut apprendre à cuisiner. À Chumisha aussi. C'est peut-être Chumisha qui parle, et c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, à tous, oui, à nous tous, oui. Alors, quel est son but? Quel est son but?
Et pour nous apprendre, oui, pour nous apprendre à préparer, enfin, ici, ce n'est pas un bon repas, mais un gâteau. Les fraises à la neige, de préparer des fraises à la neige, c'est-à-dire de nous donner comment préparer les fraises à la neige. Oui. Donc maintenant, quel est son but? Alors, je l'exprime. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une recommandation? Ou bien un ordre? Oui, donc c'est une recommandation silencieuse. Oui. Oui, recommandation, oui. Voilà, maintenant vous avez bien compris la différence. Parce que si on ne suit pas les recommandations données par le chef de cuisine ici, bien sûr, on ne va pas obtenir un bon résultat. Donc, c'est une recommandation. Alors, peut-on ne pas respecter les consignes données? Est-ce qu'on peut ne pas respecter les consignes? Est-ce qu'on peut ne pas respecter les consignes, Zaki? Non, bien sûr que non. On ne peut pas. On doit respecter les consignes. On doit respecter les recommandations. Parce que sinon, alors la question, est-ce qu'on ne, lorsque vous avez ces consignes, est-ce que tu peux ne pas faire ce qu'on vous dit, Faz? Par exemple, on vous a dit de nettoyer donc 700 grammes de fraises et de mettre 80 grammes de sucre. Est-ce que tu peux mettre 1 gramme de sucre et mettre, par exemple, 150 grammes ou... Non, tu peux pas. Donc, est-ce que tu peux ne pas suivre les conseils ou les consignes données? Non, tu ne peux pas. Hein, tu ne peux pas faire cela. Tu dois suivre les consignes données. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le moyen utilisé pour exprimer cette injonction? Alors, regardez bien le texte. Quel est le moyen utilisé? Dans le premier texte, on a vu qu'on a utilisé l'impératif. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Non, il n'y a pas d'impératif. Non. Non, il n'y a pas d'impératif. Alors, quel est le moyen à utiliser? Regardez les verbes. Nettoyer, réserver, ajouter. Puis, vous avez réfrigérer. C'est quel mode? Oui, c'est l'infinitif. D'accord. C'est l'infinitif. Donc, le moyen grammatical utilisé ici pour exprimer ces injonctions, c'est l'infinitif. Bien. Alors, voyons maintenant les questions concernant. Troisième texte. Alors, qui parle dans le troisième texte? Qui est-ce qui parle dans le troisième texte? Un juge. Oui, c'est ça, c'est mon sens. C'est la constitution du pays. Bien sûr. Alors, bien sûr, la constitution est faite par des hommes, des magistrats, bien sûr. Bon, ce sont les magistrats qui ont fait la constitution qui parlent dans ce texte. Bien sûr.
Bon. Alors, et nous avons donc à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Ah oui, à tout le peuple, c'est ça. Donc aux gens en général, aux citoyens, oui, au public, bien sûr. Une constitution, lorsqu'elle est faite, donc elle s'adresse surtout au peuple pour lequel cette constitution a été faite. Bien. Que constitue ce texte? Qu'est-ce qu'il constitue? Qu'est-ce qu'il représente? Non, il représente les citoyens. Bon, c'est à qui on s'adresse, bien sûr, à tout le pays. Bah, il représente des droits. Il représente. Qu'est-ce qu'il représente, ce texte? La loi, c'est ça, Hannibal. C'est bien. Il représente la loi. C'est bien. Constitue, ça veut dire il représente. Donc, il représente la loi, un article de loi. Hein, c'est l'article 72.2. Voyons ici, c'est l'article 72.2. Donc, c'est un article de loi, bien sûr. Peut-on dévier ces injonctions? Peut-on dévier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ne pas suivre les injonctions que nous avons dans ce texte? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas dévier ces injonctions? Pourquoi on ne peut pas ne pas suivre ces injonctions? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ce sont des ordres, bien. C'est un ordre. Ordre Nidal, ça s'écrit pas comme ça. Ordre, un ordre. Hein, donc ça s'écrit comme ça. Un ordre. Oui, donc personne ne peut le changer sans raison. Oui, le canon ne faut pas le gêner, c'est vrai. Sauf un ordre de la part de Boutafliqa. Et d'accord. C'est lui qui fait ses ordres. Il est le chef du pays, il peut faire ce qu'il veut, hein. Surtout en Algérie. Bon, là, bon. Alors, quels sont les moyens utilisés? Quels sont les moyens utilisés dans ce texte? Alors, dans le premier texte, on a vu qu'on a utilisé l'impératif. Oui, donc on a utilisé l'impératif. Dans le texte 2, on a utilisé l'infinitif. Et dans le texte 3, qu'est-ce que vous avez?
Marqué. Est garantie par donc, des collectivités territoriales, territoriales est garantie par. Puis vous avez celles-ci peuvent disposer. Et puis vous avez elles peuvent recevoir. La loi peut les autoriser. Hein? Et les autres ressources, etc., qu'elles reçoivent. Vous avez l'indicatif, hein, avec le verbe pouvoir, bien sûr. Et, bien sûr, ici, il s'adresse à tout le monde. Nous n'avons pas l'impératif, nous n'avons pas l'infinitif, mais nous avons l'indicatif. Et l'indicatif, c'est, bien sûr, le mode de la certitude, ça veut dire que ça c'est certain, on doit faire cela malgré soi. Pourquoi? Parce que c'est la loi et on doit la respecter. Bien, alors voilà, c'était notre, oui, c'est l'indicatif présent, bien sûr. C'est quoi? La commande et la princesse. Quelle princesse, dit-elle? Princesse? Qu'est-ce que tu veux dire par princesse? La princesse, c'est l'émira. Tu veux dire principe? Tu veux dire le principe et non pas la princesse, je pense. Hein? C'est ça? Je pense principe. Mabda. Princesse. Ça n'a aucune relation. Dif, ça veut rien dire. La princesse, il y a l'amira. Une princesse. Amira. La alaqa laha bi le texte adjonctif. Adam anna maqsoud huna principe, yani mabda. Ah, tu veux dire l'amriya. Ah, mais c'est pas la même chose. L'amriya, Laysa, il y a la princesse. Je sais pas comment on appelle ça, l'amriya. La recommandation. C'est l'ordre, tout simplement. C'est l'ordre. Un ordre. Bien. Alors voilà, nous avons vu aujourd'hui le texte injonctif. Nous avons vu les caractéristiques de ce texte. Nous avons vu aussi la différence entre l'impératif, pardon, entre l'ordre, le conseil, la recommandation. L'amriya, donc, ça veut dire, c'est l'impératif. Oui, donc, sera l'amriya. Oui, le futur, ou le mustaqbal. Nous avons donc vu les différents moyens utilisés, soit l'impératif, soit l'infinitif, soit le futur aussi. On peut utiliser aussi les verbes falloir, devoir, et même on peut utiliser l'indicatif présent avec bien sûr un lexique choisi qui contient bien sûr des verbes d'action impérative. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous avez
Donc après quelque chose de cette leçon. Je vous remercie pour votre participation et pour votre présence et je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine, Inch'Allah. Alors, qui moi, je suis originaire du Maroc, je suis marocaine.